à quelques mètres du centre historique, en face de ce qui était autrefois Porta-Terra, il y a le magnifique palais d'Ippolito. Le palais remonte à la fin du XIXe siècle, même si on connaît peu de choses sur sa naissance et son histoire. En 2012, l'administration communale a procédé à la rénovation architecturale et sociale du palais, et des associations et une coopérative ont été amenées à travailler ensemble, en étroite coopération, à travers la co-utilisation des espaces et la co-conception des activités. Pendant la phase de revalorisation du palais d'Ippolito, la bibliothèque municipale a été déplacée en des salles au rez-de-chaussée. Au premier étage du palais, les musées de l'émigrant et une exposition de photos à thème ont été aujourd'hui installés. Toutes les activités qui aujourd'hui se déroulent à l'intérieur du palais d'Ippolito ont un lien fort avec les centres historiques et la population d'Eracle et semblent être un important moteur culturel.